bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes samedi et il est déjà 16h30. Je vous prends tardivement, déjà parce que depuis ce matin, j'ai beaucoup de problèmes avec ma voix. Comme vous pouvez le constater, je suis pas à faune, mais j'ai la voix très, très enrouée. Du coup, bah, c'est vrai que ce matin, ouais, j'ai pas... Bah, elle est là, l'invitation de Victor. Non, mais c'est... Donc, c'est bien 17h30. Okay. Maman, on a fini, mais tout ce qu'il reste, c'est de la poussière. Ouais, il faudrait essayer de prendre une balayette avec une pelle et puis essayer de ramasser tout le reste. Ouais. Ça serait gentil, merci. Donc, là, les gars sont en train de nettoyer un petit peu la terrasse. Je vais vous montrer un peu. En fait, hier, on a tout ramassé, le relax, tout ça. Alors, attends, est-ce qu'il faudrait utiliser plutôt la porte du milieu, donc, bah, la clé. Attends, enlève les doigts, Marceau. Je vais vous montrer. On ouvre la porte. En fait, on a enlevé tout ce qu'il y avait dehors, c'est-à-dire... Les chaises. Il n'y a plus rien, en fait. Le transat, les chaises. Ici, il reste le tapis, là, j'ai vu qu'il faudra enlever, quoi, s'il te plaît. Et puis là, du coup, en fait, Pernelle, elle a défoncé le paquet de charbon que j'avais laissé à côté du barbecue. Donc, Com a la gentillesse de ramasser avec Marceau. On a repeint le barbecue, je ne sais pas si vous le voyez, il était gris avant. On l'a repeint à la bombe noire pour qu'il fasse propre. Et puis, bah, pour le reste, bah, j'ai pas de solution pour l'instant. Il faut que je regarde peut-être pour mettre une terrasse en bois. J'avoue que pour l'instant, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si je vais me mettre là, il y a peut-être du soleil. Non, ça va. Je ne sais pas trop quelle option de terrasse je vais prendre. Mais... J'hésite en fait à mettre des dalles avec des... Des dalles en béton? Non, des dalles de gravier là. Enfin, quoi. Mais il faut d'abord mettre du sable, il faut qu'il soit tassé mais hyper bien pour que ça fasse une surface bien plate. On va transformer. Et au-dessus mettre des dalles de gravier. On pourra le faire stopper, on adore aplatir le sable. Non mais ça se fait avec des machines. Ouais. T'as ce qu'il faut? Non, pas aujourd'hui, il faudra louer des choses. Okay. Donc j'hésite à faire ça. Ou à mettre une terrasse en bois. En sachant que voilà, je sais pertinemment que je ne vais pas rester ici toute ma vie. Et je me dis, la terrasse en bois, je ne sais pas si je la réutiliserai ailleurs. Alors que les dalles, elles peuvent servir pour plein de choses. Mais faudrait que je voie avec mon papa si il se sentirait. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop physique pour lui. Faudrait que j'en parle avec ma maman d'abord. Ouais. Vous avez fini, vous avez bien tout mis dedans, les morceaux de du paquet et tout ça. Ah, les morceaux du paquet, non. Ah bah si, il faut les mettre dedans, hein, quitte à ramasser. Même, tu peux vider ce qu'il y a dans la boîte. Hein. Tous les papiers, tous les... Non, mais passe un bon coup de balai. Et puis tu mets tout... Je te remercie, c'est gentil. Comme il bosse bien. Alors, ce matin, je suis allée à la déchetterie. Je suis allée à la déchetterie avec Adam. J'étais partie prendre un bain en fait à la base et une fois arrivée dans la baignoire, Adam me dit bon tu sors quand? Je lui dis bah attends, ça fait une semaine au moins que j'ai pas pris un bain, ce qui est assez exceptionnel chez moi. Et je lui dis laisse-moi profiter un petit peu. Il me dit ouais mais on devait pas aller à la déchetterie aujourd'hui. Je dis bah on y est allé hier. Il me dit ouais mais tu m'avais dit qu'on finissait de vider le garage. Je dis, bah, je le ferai lundi. Finalement, je travaille pas lundi. Ouais, non, mais moi, je voulais venir avec toi. Parce que demain, les enfants partent chez leur papa. Et donc, du coup, je lui dis, ah oui. Il me dit, bah, ouais, moi, je veux le faire avec toi. Donc, du coup, bah, on a vidé ce qui restait dans le garage. Et d'ailleurs, je vais pouvoir aller le ranger. Je pense qu'on fera ça plutôt demain. En espérant qu'il fasse aussi beau qu'aujourd'hui. Et j'ai réinstallé, du coup, le plan de ping-pong pour les garçons. Et... Pardon. Et du coup, ouais, ça fait du bien au garage quand même. Donc, ouais, pour la terrasse, je sais pas, on verra. Le garage, c'est en bonne voie. Du coup, bah, c'est bien. Adam me motive en fait à me bouger parce que j'avoue que j'avais pas beaucoup de motivation ce matin. Mais finalement. J'ai plus qu'à prendre la vie. Ils sont là. Je sais. Donc là, j'ai motivé les gars parce que moi-même, il faut que je me motive. On va tout nettoyer, tout mettre. Motivation. Ouais, motivation. Non, mais là, ça va, je suis motivée, donc ça va bouger. Et je vais mettre de la musique, je pense, dans le salon. Et puis, bah, activation ménage, grand ménage. On récupère Adam, ouais, dans une demi-heure. Dans une demi-heure, il faut que j'aille chercher Adam.
Mais, enfin, non, pas dans une demi-heure, dans. Allez, 50, dans 50 minutes, on va dire. Donc, dans 50 minutes, je vais aller chercher Adam. Et ben, je finirai après, même si j'ai pas terminé, c'est pas gênant. Du coup, ce soir, j'aimerais bien que la maison soit propre, mais vraiment propre, parce que demain, c'est dimanche et que le dimanche, je ne fais pas de ménage. Voilà. Bon, ben, c'est parti. Bon, ben, je vous reproche, je suis dégoûtée. Il est 18h50 et j'ai voulu installer mon meuble. Alors, en sachant que j'avais pas de temps de travail à mettre dessus, mais ça, à la limite, c'était pas très grave, j'irai le chercher lundi. Mais là, en fait, ce qui me pose souci dans un premier temps. C'est ça. En fait, mon papa ne m'avait pas dit que le four était directement branché dans le mur. Je m'en souvenais plus, moi. Du coup, bah, c'est un petit peu le brin. J'en profite pour nettoyer ma fenêtre parce que je vois qu'elle est hyper crade. D'ailleurs, j'ai la brosse à dents. Donc, je suis deg. Le meuble, il est, pour ainsi dire, presque monté. En fait, il manque plus que la porte. Je vais la poser, hein. Je vais mettre l'étagère. Mais je suis dégoûtée pour qu'on ne peut pas l'installer, en fait. Parce que du coup, je peux pas retirer mon... Enfin, si, je peux l'installer. Mais si je l'installe, ça veut dire que j'ai plus de four. Après, est-ce que j'ai besoin de mon four aujourd'hui et demain? J'avais prévu de faire une tarte aux pommes, donc j'ai besoin de mon four. Non, ben, c'est pas grave, hein. On va laisser comme ça. Et puis, ben, quand j'irai chercher mon plan de travail, j'en profiterai pour acheter un embout de prise et une prise murale. Et puis, je vais installer tout ça. Alors, moi qui suis pas très douée en électricité, ça craint du boudin. J'espère que je vais y arriver. Je suis en train de nettoyer le dessus de mon four parce qu'en fait, on s'est rendu compte en enlevant... en fait, c'était très logique. J'avais le dessus de mon lave-vaisselle posé sur le dessus de mon meuble parce que je n'avais pas de plan de travail coupé à cette taille-là pour mettre ici. Voilà. Donc bah là, ouais, pour le coup, je suis méga déçue en fait. Mais alors, méga déçue, quoi. Trop deg. Donc bah c'est pas grave, on va remettre le meuble four à sa place. On n'a pas trop de choix. Voilà. Et puis je vais nettoyer un peu là parce que du coup c'était la place où il y avait la table. Que les enfants sont partis, c'est vous entendez le bazar. Ils sont partis comme Elsa l'emmener dans le garage, mais évidemment. Ils ont beaucoup de mal à la mettre, visiblement. Parce qu'en fait, ils ne s'écoutent pas réciproquement. Donc là, je vais nettoyer un petit peu le coin. Et puis en attendant, le meuble, ben, je vais le poser là. Et puis on verra. C'est un peu dommage parce que du coup, j'ai plus de temps de travail. Je suis dead. Je suis trop dead. Je vais aller fouiller là-bas, voir si j'ai pas un embout de prise. Parce que si j'ai un embout pour mettre sur le fil de la... Et je crois qu'il y en a un. Mettre sur le fil du four. Après, il me reste juste à acheter la prise murale pour mettre au mur, clairement. Et comme ça, je pourrais mettre une rallonge et brancher mettre mon four à côté du meuble. Mais pour le moment, je sais pas. Il faut que je voie ça. Donc, je vais aller fouiller mon garage. Je vais ramasser un peu le bazar qu'on a fait là. Parce que du coup, comme on a monté le meuble, on a fait du bazar. Et puis bah, après, je vais faire à manger puisqu'on est déjà rendu à 19h. Et... J'ai pas beaucoup avancé, je dois dire, je suis dégoûtée. Par contre, c'était top parce qu'on a monté le meuble tous les trois, Com, Elsa et moi. Et j'ai appris à Com à utiliser la visseuse et tout ça. Donc, c'est bien, il grandit. Donc, non, c'était chouette. On a passé un bon moment tous les trois, même si c'est un peu parti en vrille à certains moments. Parce que, en gros, j'avais tout placé les vis, petit tas par petit tas. Enfin, j'avais mis les mêmes ensemble et tout. Ils m'ont tout saccagé. C'est une catastrophe. Des chaussettes ou pas? Oui, sauf que celles-ci, je pense qu'elles sont clairement trop petites pour toi. Mais non, j'ai envie de partir au con. C'est du 24, je suis pas sûre. Hein. Donc, bah, essaye, mais je suis pas sûre.
Donc voilà, bon bah du coup c'est parti. Je continue mon nettoyage et puis bah le reste, hein. On verra demain. Bon, on vous reprend dimanche, 8h50. On est en train de se préparer pour partir à l'église. Chose un peu absurde, je viens de vous tourner la clôture du vlog de vendredi, puisque en fait, comme je l'ai dit dans le vlog, et ben, je l'avais supprimé. Donc là, on termine notre petit déj, on va partir à l'église, et puis... en fait, je voulais pas y aller parce que comme j'étais malade, je me dis on n'est jamais à l'abri, hein, on ne sait pas. Donc, et en fait, Elsa, elle a une réunion. Donc, Elsa veut absolument y aller. Donc, je vais. Ah, les gros. Tu cries. Je vais bien porter mon masque et puis me laver les mains régulièrement et puis ça va le faire. En ce moment, on arrive à manger bien équilibré, hein, ouais. Je dois dire là, toute la semaine, c'était bien. Ouais, et je suis fière de moi d'avoir tenu aussi parce que, en fait, moi, souvent, ce qui me perd, c'est que j'ai pas envie de cuisiner, quoi. Donc, à chaque fois, je me dis, bon, je fais un truc vite fait, et puis, bah voilà, vite fait, c'est des pâtes ou de la semoule ou du riz avec des knackis ou du blanc de poulet, et voilà. Et là, cette semaine, on a mangé bien. Hier soir, on a mangé du poisson avec des légumes. Enfin, moi, j'ai mangé des légumes et de la semoule. De quoi, des légumes? Ah oui. Et franchement, c'était super bon. Donc, je prends plaisir. Après, je vois pas mon poids descendre sur la balance, hein, pour l'instant. Elsa non plus, oui, c'est vrai. On s'est pesé et il y a pas de différence pour l'instant. Mais je me dis, c'est un bon début. Notre corps, il va se réhabituer et puis ça devrait lui faire du bien. Donc, on verra bien. Mais même d'un point de vue gustatif, je trouve ça bon de bien manger. Voilà. Bon bah du coup, on va s'habiller et puis on va partir à l'église et puis. On vous reprendra dans la journée. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah, les enfants partent ce soir à 17h30 chez papa. Mais. Bah déjà, on va préparer vos affaires histoire que vous soyez pas. Enfin, vous soyez à l'heure parce qu'il y a le couvre-feu. Donc là, en fait, il est 8h53. Et personne n'est prêt. Dans 7 minutes, on monte s'habiller. Et Adam, il est en train de se servir des céréales. Voilà. Après, on va se demander pourquoi on est en retard. Bon, bah encore une chose improbable. Je vous reprends là, il est minuit 54. Et en fait, je m'apprêtais à ranger mon petit canapé avant d'aller me coucher. J'ai fait n'importe quoi. Je suis toujours malade. En fait, les enfants sont partis, comme je le disais tout à l'heure. Ils sont partis chez Eric. Pardon. À 17h30. Et... ben, quand ils sont partis, moi je me suis installée dans le canapé, j'ai regardé un épisode de Dynasty. J'en ai plus pour très longtemps parce que je suis déjà à la moitié de la saison 3 qui est la dernière saison. Donc avec Elsa on a bien enchaîné. Et en fait, j'ai regardé un peu, ouais, j'ai peut-être regardé deux épisodes, je sais pas. Ah, ouais, si j'ai dû regarder deux épisodes. Et en fait, après ça, je me suis dit, allez. En fait, j'ai discuté avec Anaïs par SMS parce que en fait, j'ai beaucoup de mal à m'habituer à ma couleur de cheveux. Alors, je dois reconnaître que aujourd'hui, enfin là, post-shampoing, c'est mieux. C'est mieux et ça me plaît plus. Alors, on verra demain en plein jour. Mais en fait, en plein jour, je trouve que c'est vraiment orange au niveau des racines de mes mèches. Sur les pointes, qu'en fait, comme j'avais mes racines, enfin mes mèches blondes avant, ça a moins pris en fait sur le blond. Mais là où j'étais châtain, en fait, enfin, plus ou moins châtain clair, on va dire, ben, en fait, ça a hyper pris, quoi. Et c'est orange, mais vraiment orange. Même Anaïs me dit, mais je suis surprise de la teinte que ça donne. Ça ressemble pas du tout à ce qu'il y avait sur le nuancier, quoi. Et moi, pour moi, c'est trop orange, en fait. Et j'ai beaucoup de mal à m'habituer. Sur le coup, j'ai trouvé ça très joli. C'est ce que j'ai dit à Anaïs quand je suis sortie du salon. Je lui ai dit, mais j'adore. Je suis fan, j'adore. Et quand je suis rentrée, j'ai fait une photo pour mettre sur Insta et déjà la photo, je me suis dit waouh, c'est hyper orange. Et en fait, je suis allée dehors, je suis montée dans la voiture, je me suis regardée, enfin je me voyais dans le rétroviseur, etc. Et je me suis dit mais en fait non, ça me plaît pas quoi, c'est trop orange. Et là, j'avoue que ouais, avec le shampoing là, j'attends de voir demain au jour ce que ça va donner.
Mais ça me plaît plus, déjà. En plus, là, j'ai fait un brushing, donc forcément, un brushing à la brosse. J'ai récupéré ma brosse de brushing qui était chez Anaïs. Je ne sais pas pourquoi elle est partie avec ma brosse. En fait, ces derniers temps, je les séchais et je passais le lisseur simplement parce que, en fait, j'avais plus de brosse à brushing. Là, j'ai lissé là à la brosse à brushing et sans même passer le lisseur, je trouve que déjà, c'est le résultat. Bon, là, ils sont électriques, alors, allez, je vous parle, voilà. C'est pas grave. Mais juste pour dire que, du coup, demain, j'aurai pas trop de mal à me faire un brushing. Ça devrait le faire. Enfin, à les lisser, en tout cas. Du coup, j'ai discuté avec Anaïs en lui disant « Mais en fait, je suis désolée, c'est pas du tout ton travail qui remet en question, mais je m'habitue pas à cette couleur. Est-ce que tu penses que tu pourrais me refaire ?» En fait, je lui ai demandé qu'elle me refasse la couleur de mes racines en coloration, en fait, par-dessus les mèches. Je dis comme ça, il restera peut-être des nuances, voilà, ça fera des reflets, en fait, cuivrés, mais j'aurais pu ce orange, quoi. Et elle me dit, c'est mort, moi je te fais pas ça, parce que déjà ça va pas prendre partout. Elle m'a dit, tes mèches, il y a des endroits où elles ont bien pris, d'autres moins bien. Alors si on refait une couleur par-dessus, ça va donner un truc genre écaille de tortue, quoi. Et je me suis dit, ouais, non, c'est pas trop ce que je veux. Et du coup, elle m'a dit, franchement, attends un peu, laisse dégorger. Elle me dit, combien t'as fait de shampoing? Alors je lui dis, bah j'en ai fait qu'un pour l'instant, parce que moi, je fais très peu de shampoing, parce que plus on lave nos cheveux, plus ils graissent. Et moi, depuis quelques années, j'ai ralenti, enfin j'ai vraiment espacé de plus en plus mes shampoings. Et au jour d'aujourd'hui, je suis rendue à un shampoing, voire deux par semaine. En général, c'est plus deux que un, mais si je les attache plusieurs jours d'affilée, ça m'arrive... du coup, d'en faire que un, de me laver les cheveux, par exemple, le lundi, et de les relaver que le dimanche. Je vais les garder lisses comme ça pendant 2 jours, et puis ensuite, je vais les attacher pendant 3 jours, voire 4 peut-être, et le fait qu'ils soient attachés, je passe pas mes mains dedans sans arrêt, comme je suis en train de le faire à ce moment, ce qui les graisse encore plus, et donc du coup, c'est vrai que j'arrive à les garder, ouais, presque une semaine sans les laver. Du coup, bon, Anaïs m'a dit qu'il valait mieux ne rien changer. Elle m'a dit, lave-les plusieurs fois et vois après. Et là, effectivement, c'est vrai que pour ce soir, en tout cas, ça me va. On verra demain à la lumière. Là, du coup, il va être 1h du matin, donc je vais aller me coucher. Comme vous le voyez, je suis pas du tout fatiguée. En fait, j'ai regardé, comme je le disais, Dynasty. Après, je suis partie prendre un bain pendant un certain temps, quand même un peu plus d'une heure. C'était ma soirée toute seule, donc... j'ai pris mon bain, je me suis démaquillée avec mon huile de coco. Je sens plus la coco là parce que j'ai mis ma lotion Lancôme à l'eau de rose là et du coup ma peau est toute douce et je sens l'odeur de la lotion Lancôme que j'adore. Donc voilà, je me suis brossée les dents, démaquillée. J'ai juste vu que j'allais reprendre la caméra, refait mes sourcils, mais c'est tout. Je suis no make-up là. Voilà, je m'en vais me coucher. J'ai entendu d'ailleurs le micro-ondes sonner pour ma bouillotte. Donc, je vais aller la chercher. Du coup, bah, les enfants sont partis pour une semaine. Ça va être long pour moi. Là, demain, je ne travaille pas. Donc, comme je suis toute seule... Hey! Comme je suis toute seule, je vais, je pense, déjà dormir demain matin. Puisque, en vérité, d'habitude, quand je ne dors pas, c'est parce que quand on déboule dans mon lit à 7h30... Là, il n'est pas là, donc je vais pouvoir, je pense, dormir un peu. Bah, demain matin, ouais, je vais dormir un peu et puis ensuite, je pense que je vais m'atteler au ménage de la maison puisque comme je suis toute seule, je suis toute seule et je ne travaille pas. Alors, je vais quand même regarder mes mails parce que je me dis si ma patronne m'a envoyé un petit mail, qu'elle a besoin d'un service ou quoi que ce soit, je vais quand même regarder même si officiellement, je ne suis pas censée travailler puisque j'ai reçu un mail me disant « pas de travail ». Mais comme moi, j'ai la possibilité d'être en télétravail, j'appellerai même peut-être ma patronne pour faire un petit point demain, en fin de matinée peut-être. Mais du coup, ouais, je vais essayer principalement de faire du ménage, du linge. En fait, je ferai petit à petit, au fur et à mesure de la semaine. Et ce que je vais faire aussi petit à petit, au fur et à mesure de la semaine, c'est me créer des routines de soir, des routines de matin. Alors, celles du matin, elles sont quand même relativement faites parce que je dois dire que je fais toujours la même chose, en fait, le matin.
Mais du coup, c'est vrai que ça serait bien que j'y inclue peut-être un peu de ménage, même si c'est pas grand-chose. Je lance déjà une lessive le matin, c'est bien déjà, mais c'est pas suffisant. Donc, faudrait que ouais, j'essaye. Je me suis inscrite là ce soir sur un groupe Facebook d'organisation de la maison. Donc, je vais voir si j'y trouve des astuces parce que j'ai vraiment envie d'être organisée. J'ai envie d'apprendre à mes enfants à participer, mais de bonne volonté, en fait, c'est ça, qu'ils aient envie de le faire et que ce soit pas une corvée. Ils le font, hein. Ils mettent la table, ils débarrassent la table, ils remplissent et vident le lave-vaisselle, mais c'est tout ce qu'ils font. Et je me dis, à 12 ans, pour Elsa, c'est pas beaucoup, en fait, de faire ça. Enfin, je me dis, moi, à 12 ans, ma mère, elle travaillait et quand elle était pas là, ma sœur et mon frère et moi, on avait chacun notre tâche, c'est-à-dire que ma sœur, elle faisait la cuisine parce que c'était la plus grande et du coup elle faisait la plus grande pièce. Moi je faisais la salle de bain et mon frère passait l'aspirateur dans toute la maison, c'est-à-dire y compris les chambres. C'était un garçon quand même, hein. Et ben moi c'est même pas la peine que je demande ça, hein. Alors si je le demande à Elsa, elle va me dire oui. Comme il va me dire oui sur l'instant parce qu'il a toujours plein de bonne volonté à vouloir m'aider, mais au final, au moment où il faut le faire, il est plus là. Donc, enfin, il y a plus personne. Donc, comme là pour la déchette, hein, au final, c'est Adam qui est venu. Hein. Dès qu'Adam, il m'a dit, ouais, moi aussi, j'aurais voulu venir à la déchette. Bah, comme il a dit, ah, mais c'est bon, vas-y, vas-y. Voilà. Donc, bon, c'est, je trouve que à 12 et 10 ans, j'en demande pas autant à Adam et Marceau parce qu'ils sont plus jeunes, mais je trouve que moi, mon frère, quand il passait l'aspirateur, il avait pas 10 ans. Hein. Il avait 8 ans. Il avait l'âge d'Adam et il le faisait, mais sans même se plaindre, quoi. Pour lui, c'était normal. On aidait ma maman qui allait travailler. Enfin, moi, j'ai beau être partie travailler le mercredi, il s'en fiche, mais royal, hein. Donc, c'est un peu décevant, je dois dire. Enfin, je suis déçue de moi, en fait, parce que j'ai l'impression de les avoir mal éduqués, de pas leur avoir appris la valeur d'entraide, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont pas cette notion. Et alors, la psychologue d'Adam m'avait dit que c'était pas un problème d'éducation, c'était un problème de perception des choses. Et elle m'a dit que comme ils sont hypersensibles, ils perçoivent pas les choses de la façon où on peut les dire. Mais moi, je me dis, enfin, elle m'a dit que moi aussi j'étais hypersensible. Donc si je suis hypersensible, ça veut dire que je fonctionne comme eux. Et ça veut donc dire que on est censé se comprendre et prendre les choses de la même façon et ouais, se comprendre, en fait. Ça veut dire qu'on fonctionne de la même façon. Et j'ai honnêtement pas du tout l'impression qu'on fonctionne de la même façon. Ou alors, je ne suis pas hyper émotive comme hypersensible, comme me l'a dit la psychologue. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a clairement un problème de communication entre eux et moi, hein. C'est, j'ai l'impression de, enfin, comme dirait ma mère, de pisser dans un violon, quoi. Ça fait le même effet. Ça rentre là, ça ressort là. Mais il n'y a rien qui reste. Donc, bon. Au jour d'aujourd'hui, je me dis, en soi, c'est pas gravissime. Mais c'est vrai que... Enfin, je vais vous raconter ça, c'est un peu bidon. Hein. Mais comme il aimerait beaucoup que j'ai une relation avec le papa, le fameux papa de l'école dont je vous ai déjà parlé, puisqu'en fait c'est le papa d'une de ses camarades de classe qui l'apprécie beaucoup. Alors pas du tout dans le sens il est amoureux d'elle, non. C'est une petite fille avec qui il s'entend très bien et avec qui il rigole bien et il aime ça. Donc c'est une très bonne amie à lui. Et il arrête pas de me dire ouais, si tu sors avec son père, machin, nanana. Mais la dernière fois, il m'a dit que sa copine lui avait dit que son papa était maniaque. Bah moi, ça me fait juste imaginer que si je sors avec un homme maniaque, bah, on va rester ensemble une semaine, quoi. Au bout d'une semaine, il va dire c'est mort, je me casse. C'est pas possible. Enfin, faut remettre les choses en place, hein. Je pense pas pouvoir entretenir une relation avec un homme maniaque. Enfin, moi, je le pourrais. Mais mes enfants, ils peuvent pas. Ça, c'est clair et net. Parce que là, concrètement, ils vont pas être là pendant une semaine. La maison va être propre pendant une semaine. Il y aura pas de bordel, il y aura pas de... L'aspirateur sera passé régulièrement. Enfin, tout... Mais c'est même pas que ça sera fait régulièrement, c'est que ça va se voir, en fait. Parce que quand les enfants sont là, je le fais, mais ça ne se voit pas.
C'est ça le problème. Parce qu'il repasse à peine derrière moi que ça y est, il y a des papiers de bonbons par terre, les chaussons qui traînent, ils ont redéposé des miettes, ils ont sorti des feutres et des crayons et des tubes de colle. Enfin, voilà. Il y a des papiers découpés par terre ou des feuilles sur lesquelles ils ont dessiné qui restent en plan sur la table ou qui sont tombées sous la table mais qui vont pas les ramasser. Ils auront ramassé ce qu'ils avaient mis sur la table, mais ce qui est tombé dessous, on le voit pas. On veut pas le voir, surtout, je pense. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est des choses que je me dis... Ouais. Si l'homme que je choisis, il est maniaque, bah, ça va être chaud. Hein. Donc, pour l'instant, c'est pas d'actualité, parce qu'il n'y a pas d'homme en course. Hein. Mais ça, c'est des choses qui me font réfléchir. Parce que même au niveau de leur éducation, la façon dont ils me parlent, la façon dont... Enfin, je trouve qu'il me manque quand même pas mal de respect certaines fois, et principalement Côme en ce moment, et Adam aussi d'ailleurs. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Hein. Je me dis, je ne sais pas si quelqu'un d'autre que moi accepterait ce genre de choses. Donc bon, c'est des choses que je recadre en ce moment, que j'essaye de remettre d'aplomb. Je vais essayer d'y travailler, mais du coup, ouais, j'aimerais bien que les routines, ça m'aide à tout ça, ça m'aide à... Bah, à ce qu'on fasse les choses ensemble, en fait. Par exemple, en ce moment, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois de demander à Côme de descendre le linge dans le sèche-linge. Il l'a fait, il a jamais rien dit. Il emmène le linge, il le lance à sécher, et il ne dit rien. Il le fait, c'est tout. Mais dès que c'est la table à mettre, à débarrasser, ou la vaisselle à faire, comme ils doivent le faire tous les quatre ensemble, ou par deux, c'est la croix et la bannière. Mais s'ils doivent le faire tout seuls, bah ça se passe bien pour Elsa, ça va bien se passer pour Côme. Mais par contre, Adam et Marceau, ils vont me dire c'est trop dur, machin, ils veulent pas le faire tout seul, quoi. Sauf que quand je les mets par deux, c'est oui, je fais tout, elle fait rien, il fait rien, rien, tout le temps, quoi. Il y a pas de solution, en fait. J'ai essayé le tableau de répartition des tâches, j'ai essayé les tableaux de récompense, j'ai essayé plein de choses. Plein de choses. Il y a rien qui fonctionne. J'ai plus d'astuces, là, en fait. Je suis en bout de course. Je sais plus quoi faire. Donc, peut-être qu'en instaurant des routines pour tout le monde, c'est-à-dire que même moi, je vais avoir mes routines, ils auront les leurs à côté, mais du coup, qui ne seront pas les mêmes, mais qui incluront malgré tout une participation, eh ben, peut-être que ça va fonctionner. On va voir. Je vais essayer de mettre ça en place cette semaine en leur absence pour pouvoir faire ça, le mettre en application quand ils vont rentrer, quoi. On verra bien. Je pense à quelque chose parce que je la vois. J'ai normalement vendu ma surjeteuse. Elle devrait normalement partir lundi. Je suis très contente parce qu'en plus, je l'ai bien vendue. Donc, je l'ai baissée en fait un petit peu. Je l'avais mise à 200€ parce qu'elle est quand même neuve. Hein. En fait, je pensais l'avoir achetée 250€ et non, je l'ai payée 225€. Donc, la dame, dans le message, je lui ai dit, par contre, je suis désolée... Je dis, je vais pas vous la vendre 200€, ça serait pas honnête de ma part. Je dis, je la baisse de 10€ parce que je l'ai payé moins cher que ce que je croyais. Je viens de ressortir la facture et elle m'a dit, ah bah avec plaisir. Donc bon, c'est pour moi c'est un geste qui me paraît honnête. Pour elle, bah forcément c'est 10€ de moins, donc ça, je pense bien qu'elle apprécie. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit et donc c'est très bien comme ça. Et le principal, c'est qu'elle parte et je suis très contente de l'avoir rendu. Donc, là, je vais mettre en ligne mon presse-purée tupperware que j'avais. Je sais plus comment il s'appelle. Là, c'est un truc sur un pied ventousé. On appuie et puis en fait, il fait de la purée. Et il épluche les pommes de terre en même temps qu'il les écrase. C'est pas mal. Hein. On les fait cuire, les pommes de terre, en fait. Et une fois qu'elles sont cuites, eh ben, on les place dans l'appareil. On appuie et en fait, ça fait sortir la purée et ça rattrape la peau. Donc, c'est quand même hyper pratique, mais... c'est pas le genre d'ustensile. Enfin, c'est pas comme ça que j'aime faire ma purée. En plus, moi, je trouve qu'elle... Enfin, après, c'est... Encore une fois, c'est vraiment une question de d'avis hein, personnel. Moi, j'arrive pas à obtenir la texture que j'aime de la purée en la faisant de cette façon-là. C'est vrai que moi, j'ai eu l'habitude de la faire dans le Thermomix à l'époque où je l'avais. Et honnêtement, ça faisait une texture de purée mousseline, alors que la mousseline de base n'est pas de la purée. Hein. Mais les enfants adorent ça. Et honnêtement, ça me faisait une purée de pommes de terre. Donc, ça avait vraiment le goût de la purée de pommes de terre, mais à la texture de la mousseline, quoi. C'était une tuerie.
Mais évidemment, là, comme j'ai plus de robot, bah, j'arrive plus à refaire cette texture. Alors, bien qu'avec mon blender, peut-être que je pourrais réussir. À voir. Mais en tout cas, ouais, je vais voir. Mais en tout cas, celui-ci, j'en veux plus. Donc, je vais le mettre en vente lundi aussi. Mais je voulais juste regarder, en fait, quel prix je pouvais le vendre, parce que je sais que ça coûte très cher. Je crois que l'appareil, il coûte plus de 100 euros. Alors, évidemment, moi, je vais pas le vendre à ce prix-là. Hein. Je le vends moitié prix, parce que je m'en suis pas beaucoup servi. Mais le fait de l'acheter complet avec le pied ventousé et tout ça, parce qu'après vous pouvez acheter en fait l'appareil en lui-même, donc le pied de ventouse et le support, et après vous rachetez juste les embouts, presse purée, hachoir à viande, machin, et ça coûte moins cher. Mais moi j'ai l'appareil complet en fait, donc je revends l'appareil complet avec le pied, etc. Donc voilà, bon, c'était une clôture un peu longue. Je vais aller me coucher. Enfin, et puis du coup, je vous montrerai ce vlog demain matin. Mais pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée et je juste rajoute une info. Je vais vous faire une vidéo sur la location de voiture parce que je reçois, mais alors, des messages et des messages et des messages pour me dire comment ça fonctionne, combien tu payes, est-ce que c'est pas plus cher que d'acheter, machin, nanana. Donc, je vais vous faire une vidéo. Je vais la tourner demain. Parce que je trouve que c'est un sujet intéressant, parce que quand moi j'ai voulu me lancer là-dedans, j'ai pas trouvé d'infos en fait sur le net, parce que j'ai cherché sur le net, j'ai pas trouvé d'infos. Et c'est en allant chez Leclerc que je suis allée me renseigner à savoir comment ça fonctionnait, etc. Et je me dis que ça peut aider des gens, et pour cause, puisqu'on m'envoie des messages pour me poser des questions. Donc je vais faire cette vidéo qui, je pense, sera utile, j'espère en tout cas. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, puisque c'est un début de semaine qui commence, j'espère, avec le beau temps. Et puis, bonne reprise à ceux qui, comme moi, vont reprendre le travail cette semaine. Et puis, bonnes vacances à ceux qui prennent leurs vacances. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao !